dans un de mes restaurants à Londres et j'ai répondu tout de suite parce qu'il m'a expliqué le pourquoi, il m'a fait connaître la fondation, pourquoi vous luttez chaque jour, les courage que Denis tu as eu tout de suite après que ton fils rejoint les étoiles. Donc je me suis dit c'est quelque chose, on a besoin de gens comme toi dans cette société et il faut, dès qu'on a un moment pour ces choses là il faut participer. Je te remercie énormément que tu as mené la problématique des glyphosates, qui est un vrai problème mondial qu'on n'arrive pas à assumer comme un vrai poison pour nos enfants, pour nous tous, en défenseur de nourriture bonne et belle et bonne. Je me tiens aussi à que vous tous aussi vous participez à cette lutte qui nous appartient à tous, parce qu'ici on a tous heureusement le choix de notre élection, le choix de ce qu'on va manger chaque jour. Vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez manger. Et dans les choix, les choses quotidiennes que vous mangez, vous choisissez les mondes que vous allez laisser à vos enfants. Et c'est très important d'être conscient du pouvoir que chacun de vous, vous avez entre vos mains. Ce n'est pas la totalité de la population de la planète qui a ses choix, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des millions de personnes qui ne peuvent pas choisir qu'est-ce qu'ils mangent, mais vous, qui vous avez les choix, faites les bons choix. Hein? C'est ma demande, parce que c'est très important. Et je veux surtout aussi remercier ces 19 chefs qui sont aujourd'hui présents, qui sont là présents pour vous tous, pour l'association. Et j'ai aucun doute qu'il va être merveilleux. Joël, tu as fait une sélection magnifique et surtout des gens de cœur. Ces gens-là, ils sont souvent présents pour des manifestations comme ça. Je les connais presque tous et c'est vraiment de la chance de pouvoir avoir fait cette brigade d'étoiles merveilleuse. Merci Joël. Important aussi de dire c'est que vous êtes reconnu aujourd'hui et notamment parmi les pères au travers d'un document que tout le monde connaît, la liste, comme étant le troisième au monde avec une note incroyable de 98 sur 1,5 sur 100. C'est impressionnant. Merci d'être avec nous. Et maintenant, mesdames et messieurs, bien